Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu avec joie et ferveur. S'élève nos chants et nos vœux, parfum doux, ô Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos âmes. En Jésus, me sauve craint dans la joie et les peurs. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous retrouverons Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 98, 98. Psaume chapitre 98, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 98, nous lisons la parole du Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Quand célèbre son nom, quand est redoutable, quand célèbre la force, Dieu qui est la justice, venez pour son peuple.
dont il est le berger, le troupeau de sa main. Que ton nom soit béni, notre Père. Que le grâce et que le joie, l'abondante joie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos cœurs encore ce soir, mon Sauveur, de nous tenir encore dans ta maison. Et c'est vrai que David avait vraiment raison. Oh Dieu, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, mon Seigneur. Nous sommes heureux de voir être un peuple qui t'appartient. Nous sommes heureux de te voir encore lèvres encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es notre force, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es notre appui sûr et certain. Tu es notre aide qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, mon roi, nous avons cette certitude, mon Dieu. Et quand nous évoquons ton nom, mon roi, toi, tu entends toujours les cris, mon bien-aimé Seigneur. Toi, dis, oh Père Tibissant, oh Dieu, ne ferais-je pas justice à mes élus qui crient à moi jour et nuit, mon Sauveur. Nous te disons vraiment merci encore. Et aujourd'hui encore, ce soir, nous sommes heureux, bien-aimé Père Tibissant, d'élever nos voix devant ton trône de grâce. Toi qui ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur. Oh Père Saint-Dieu, toi qui ne faillis jamais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi qui es vraiment Père Tibissant, oh Dieu, le Dieu de bonté, mon bien-aimé Père Tibissant, comme la Bible le dit, car sa miséricorde dure encore toujours, mon roi. Nous approchons de ton trône de grâce, mon roi, parce que c'est toi qui nous fais approcher de toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, réalisant, mon bien-aimé Père Tibissant, que nous avons trouvé grâce devant ta face, mon roi. Seigneur, sois béni encore ce soir, mon bien-aimé, sois glorifié encore aujourd'hui, encore, mon bien-aimé Père Tibissant, pour l'aide que tu nous apportes, mon bien-aimé Seigneur Jésus, pour le soutien que tu nous apportes, mon roi. Nous ne voulons pas manquer à ton endroit, bien-aimé Père Tibissant. Nous ne voulons pas, Père Tibissant, oh Dieu, bien-aimé Père Dieu, prendre à l'égère ce que toi tu fais, Seigneur. Nous voulons vraiment prendre en considération chaque chose que tu accomplis, chaque chose que tu fais pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas regarder au monde, mon bien-aimé Père Dieu, parce que notre secours ne vient pas de l'homme, mais le secours de mon besoin ne vient que de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nos yeux sont fixés vraiment sur toi. C'est toi qui nous relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui nous soutiens encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Qui nous tient par ta main, Seigneur. Vois nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Travaille encore davantage, mon roi. Et rends-nous encore sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles, Père Tibissant, Dieu. Afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine, Père Saint-Dieu. Pour que nous puissions te chercher de tout notre cœur. Seigneur, merci encore pour ce temps et les moments que tu nous donnes. Merci encore pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta grâce, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est vraiment un moment béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons trouvé grâce devant ta face, mon roi, et de cheminer avec toi dans ces temps où nous vivons, Seigneur. Tu es la lumière qui nous éclaire. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour l'adoration. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Père Dieu. Et pour ces instants, nous rendons gloire à ton nom. Merci encore pour ton bras puissant, Seigneur. Oh, tu ne faillis et tu ne failliras jamais, Seigneur. Sois donc béni encore ce soir et sois glorifié encore pour la présence de mon frère, de ma soeur, Père Saint-Dieu, de nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui se rassemble à différents endroits aussi. Louange à toi, à tous nos bien-aimés, pour ceux qui sont aussi en connexion encore ce soir. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci encore pour le pardon de nos péchés et l'allégresse aussi dans nos cœurs. Nous te demandons cette grâce pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père, merci encore mon Sauveur pour ce temps, pour ces jours et pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant ton trône de grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui efface nos transgressions et qui nous soutient aussi. Merci. Merci Seigneur, de ce que tu réveilles encore davantage, mon Dieu, dans les cœurs de tout un chacun de nous. Ah, Père Tibissant, la soif et les ailes, de pouvoir vraiment nous tenir dans ta présence, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et de chercher aussi ta face, mon roi. Tu es vraiment un secours merveilleux qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon Seigneur. Ah, nous te remercions parce que ceux qui t'ont vraiment cherché, Seigneur, ils t'ont vraiment trouvé, Seigneur. Merci, que nos cœurs soient tournés vers toi, et nos âmes aussi, bien-aimé Père Tibissant, te cherchent encore davantage, parce que nous voulons t'avoir, nous voulons posséder, Père Tibissant Dieu, la part de nos ennemis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est cela que nous te demandons aussi grâce, mon roi. Tu as dit que
ta postérité possède la porte de ses ennemis, Seigneur. Ah, nous te remercions pour cela. Sois béni, sois exalté et sois glorifié encore. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Gloire à toi et honneur à toi. Merci, Seigneur. Merci. Gloire te soit rendue encore ce soir. Pardonne-nous. Ta paix, ta bénédiction et soit donc accordée, Père. Merci. Nous te disons merci, ton Père. Pardonne. Pardonne-nous. Sois béni et exalté encore, Père Saint-Dieu. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton soutien. Vivifie encore notre foi et les ailes encore davantage. Augmente cela pour toi. Nous te disons merci. Merci, Père. C'est cela que nous avons besoin, Père. Béni sois-tu. Sois ton nom. Merci. Merci. À grâce. C'est vrai, Père. Merci. Merci. Nous en avons besoin, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Père. C'est notre joie et reconnaissance encore, mon Sauveur. Mon Sauveur, béni. Merci encore, mon Sauveur. Oui. Nous avons besoin de toi encore, Jésus. Seigneur, tu es le roi, tu es le maître, Père Tout-Puissant. Comme nous l'avons chanté, dis simplement un mot et nos vies seront donc changées et transformées aussi, Père. Et nous le croyons de tout notre cœur. Merci. 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 Tu entends les cris. Louange à toi et honneur à toi. Merci. Merci, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, mon Sauveur. Merci pour ton Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié encore. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions vraiment du plus profond de notre cœur pour sa présence. Et la grâce qui nous accorde aussi de pouvoir susciter en nous ses ailes, de pouvoir chercher aussi sa face et l'adorer comme il se convient, selon donc sa parole. Nous désirons que le Seigneur vraiment fasse son chemin et qu'il puisse agir en nous comme il le veut et qu'il brise toute notre résistance et qu'il nous aide effectivement à ce que c'est le désir de notre cœur. Nous le supplions de pouvoir entendre nos voix et nos cris devant lui parce que nous ne voulons pas mener une vie contraire à sa volonté. Nous voulons mener une vie conforme à sa volonté et nous avons besoin de son aide, de son secours et de son soutien pour réellement que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous aide davantage à nous dépouiller plus profond de nous-mêmes encore davantage, que nous soyons vraiment consentants et être aussi sincères et honnêtes aussi devant lui. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Que la bénédiction du Seigneur repose vraiment sur vous. Amen. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il se souvienne de vos offrandes et vos prières. Il est le Dieu qui agit aussi. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait, et aussi sa bonté et son amour. Qu'il soit béni pour notre sœur Edith qui nous a aussi ramenés. Nous avons prié et Dieu a exaucé, nous a accordé cette joie de pouvoir réellement la voir. Chaque frère et chaque sœur est important pour chacun de nous. Et c'est une grande joie pour nous lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et avoir communion, surtout quand l'un de nous traverse ces moments difficiles et que nous avons prié que Dieu a accordé la victoire. Nous ne pouvons que remercier notre Seigneur.
Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Comme la Bible le dit effectivement que son nom est fidèle, il reste fidèle malgré notre infidélité. C'est à cela aussi que notre cœur doit arriver à pouvoir vraiment lui être reconnaissant, parce que il est celui aussi qui connaît nos faiblesses. Oui, parce que il a été dans ce corps humain, et c'est pour ça que il est dans une position dont nous pouvons glorifier Dieu, qu'il soit placé dans cette position-là, parce qu'ayant été dans un corps d'un être humain, il connaît nos difficultés, il connaît les faiblesses de tout un chacun de nous. Comment est-ce que dans un corps il y a un combat, parce que lui il a vaincu. Alors maintenant, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a seulement un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et là, la Bible dit que Jésus-Christ, homme, parce qu'il ressent ce que tu ressens, alors il peut intercéder pour toi. Qu'il soit béni vraiment pour ses offices qu'il occupe, mais d'une manière extraordinaire. Et ça, il est fait pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, et pour moi, pour que réellement nous puissions arriver à la destination. Le Seigneur a tout fait pour que, et il l'a fait, et il a fait cela pour que toi et moi, nous ne puissions pas manquer la promesse pour laquelle Dieu nous a réellement aussi faite, et la raison pour laquelle Dieu nous a donc appelés. Il a voulu arriver à pouvoir occuper toutes les fonctions les plus élevées. Parce que si c'était des hommes, il n'aurait pas arrivé à pouvoir effectivement aussi nous soutenir dans nos faiblesses, effectivement, pour nous amener à Dieu, effectivement, parce que l'homme lui-même, il est faible. C'est pour ça qu'il est devenu le souverain sacrificateur. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour que nous puissions réellement aujourd'hui nous réjouir effectivement aussi. Et surtout, avoir les yeux fixés sur lui, comme la Bible le dit, il est celui qui suscite et aussi pousse effectivement aussi que la foi, afin que nous puissions arriver à pouvoir réellement nous maintenir dans les positions justes de la parole de Dieu. Il sait effectivement que pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir la victoire totale, et vaincre effectivement l'ennemi que nous avons effectivement qui s'est dressé contre nous avec toute sa force effectivement et ses armées effectivement, il faut que nous puissions avoir l'arme nécessaire. Parce que lui-même, il a eu à pouvoir l'utiliser. Il sait que pour nous aussi, il nous faut réellement la voie, mais la voie effectivement dans la plénitude de cela. C'est pour ça que le Seigneur prend soin de chacun de nous. Et il veille effectivement à ce que la parole nous soit donc transmise comme lui, il le veut. Et combien il nous montre l'amour qu'il a à notre endroit pour que nous puissions vraiment avoir effectivement cette parole qui a la puissance de vaincre l'ennemi. Il a veillé lui-même à pouvoir venir effectivement sous la forme du Saint-Esprit et choisir des vases dans lesquels lui-même, il a eu à pouvoir, déjà avant même que le monde soit, il les a choisis et qu'il a vraiment nettoyé les canaux, en fait. Parce que lorsque nous venons dans ce monde, effectivement, il y a beaucoup de mélanges qui se font. Mais il savait qu'effectivement, que si le mélange s'est fait, effectivement, dans ceux-là qui peuvent arriver à pouvoir être des canaux, effectivement, par lesquels il peut travailler, ça pouvait créer des problèmes. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire. Remarquez d'abord une chose que je vais quand même vous dire. Regardez, par exemple, un exemple que je vous donne toujours pour que vous puissiez comprendre effectivement les choses. Regardez l'exemple effectivement de cet homme, ce prophète Esaïe. Dieu lui dit effectivement quelque chose de tout à fait extraordinairement important, mais qui ne peut pas être conçu ou par la pensée humaine. Il lui dit effectivement que, comme il l'a dit, voici donc la Vierge concevra. Pour que cette parole puisse passer, effectivement, il fallait que cet homme, Dieu puisse avoir fait quelque chose dans sa vie qui ferait que même pas la conscience ou le subconscient ne puisse arriver à pouvoir intervenir lorsque Dieu fait passer, en fait, son message. Ça, ce n'est pas fait dans tous les hommes. Je peux vous le dire, et c'est vrai, mon frère et ma soeur.
C'est vraiment nécessaire que nous comprenions effectivement cela, comme nous avons pu l'entendre effectivement. Si Dieu est tellement si exigeant envers son propre peuple, c'est parce que il a fait en sorte que ce peuple-là lui donne son exigence, en fait. Parce que si il dit qu'effectivement, c'est important cela, il dit qu'effectivement que voici, ils seront donc irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il est impossible que l'homme comme vous et moi, nous puissions être irrépréhensibles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même jeûner, prier, vous ne pourrez jamais être irrépréhensible. Pour que vous puissiez l'être, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été fait en vous, en fait, qui fait qu'en fait, que cette action-là dans vous doit trouver son accomplissement. C'est pour ça que nous entendons souvent que la Bible nous fait savoir que dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que tous ces canaux que Dieu voulait que nous puissions avoir et par lesquels effectivement les choses de Dieu devaient passer pour nous rendre effectivement irrépréhensibles, ça n'a pas commencé quand ton père et ta mère se sont unis. Non. Non, 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 non. Non, c'est avant même que ton père et ta mère puissent avoir même les désirs de pouvoir avoir des enfants, effectivement. Et Dieu avait fait en sorte que toi, quand tu viendrais par ces canaux-là, que tout cela soit... Mais c'est pour ça que vous pouvez remarquer, frères et sœurs. C'est important. C'est ça que vous pouvez remarquer, mon frère et ma sœur, que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, vous sentez qu'effectivement, qu'au fond de vous, que quand la parole de Dieu vous dit, ah, il est difficile de pouvoir, en fait, résister à pouvoir faire ce que la parole de Dieu te dit. Surtout quand il dit que bon, frère, ceci, ou sœur, ceci, effectivement, je parle en général. Dans ceux qui sont vraiment de fils et de filles de Dieu, c'est important pour que nous puissions aussi nous regarder en réalité pour pouvoir nous poser la question, Seigneur, où est-ce que j'en suis vraiment avec toi? N'oubliez pas ce que vous entendez, frères et sœurs. Ce n'est pas donné facilement à tout le monde. Aller au ciel dans l'enlèvement, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous trompe pas, comme les gens vous disent, ah ben, si vous croyez au message, vous êtes sauvés, vous irez dans l'enlèvement. Ça, je vous dis encore ici, c'est absolument faux. Le message ne peut pas vous amener au ciel. Le message ne vous sauve pas. Est-ce que vous suivez? Je répète encore. Et plus fort encore, le message ne vous amènera pas au ciel. Amen. Le message, effectivement, ne vous sauve pas. Amen. Parce que il n'y a qu'un seul qui peut vous amener au ciel. Amen. C'est celui qui est au ciel, et qui est descendu du ciel, et qui est retourné au ciel. On nous a dit, c'est même Jésus. Qui est ainsi monté, qui s'en va ainsi, qui vous voyez s'en aller ainsi, reviendra de la même manière. Ce n'est pas un message, Jésus. Non, monsieur. Jésus est une personne. Jésus est une réalité. Mais les messages annoncent Jésus. C'est pour ça que c'est important pour nous que nous comprenions que si Dieu est exigeant ainsi avec nous, parfois, il y a des sœurs, des jeunes sœurs qui se révoltent. Mon frère et ma sœur, nous ne sommes pas ici pour faire souffrir quelqu'un, ni même pour pouvoir vous priver de vos désirs. Nous sommes là pour vous montrer la voie juste, afin que vous puissiez savoir que Dieu est juste. Il nous a lu quelque part. Vous savez, il faut toujours prêter attention quand un psaume est lu. Regardez, dans le psaume qu'il a lu, je pense que c'est cela. Nous pouvons trouver, c'est psaume 98, hein, je pense que c'est cela aussi. Juste le prendre. Et cela. Et tu nous aides. On va trouver cela. Aïe, merci Seigneur. Regardez. Merci Seigneur qui nous dit, je me dis son nom, chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Vous voyez même l'invitation aux frères. Que la mer dit, eh bien, que le monde et ceux qui
La bite éclate dans la graisse. Nous sommes des locataires, frère. Est-ce que tous ces gens disent nous sommes propriétaires, non, la terre ne leur appartient pas. Non. Tout ce monde ici sont des locataires. Il n'y a qu'un seul qui est propriétaire. C'est Dieu. Donc s'il t'a placé dans sa propriété, alors glorifie Dieu. C'est sûr et certain. Alors il dit que le fleuve batte de main, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, qu'est-ce qu'il vient, il vient faire? Pour juger la terre. Écoutez bien. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Dieu est juste, mon frère. C'est pour ça qu'il ne peut pas condamner les gens sans les avoir quand même parlé ou montré effectivement les choses, leur montrer. C'est pour ça qu'il leur montrait même la différence entre la main droite et la main gauche. Même si le monde a la confusion, mais Dieu fera en sorte que ces hommes-là dans le monde entendent quand même. Parce que son nom est amour, Dieu est amour. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Mais que tous reviennent à la repentance, mon frère. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. La même chose, mon frère. La même chose, ma soeur. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour ça qu'il ne te chasse pas du mal. Donc la parole ne te peut pas te faire du mal. Donc quand on t'apporte la parole de Dieu, c'est pas pour te détruire. Pourquoi? Mais c'est pour que tu vois ce qui est bien et ce qui est mauvais. Que tu fasses ton choix. Alors Dieu te jugera. Parce qu'avant qu'il te juge, il faut d'abord qu'il t'ait parlé. Qui t'ait vraiment montré, effectivement, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde. La Bible dit, effectivement, que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le cosmos, qu'il a donné son Fils, un seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sang que le Seigneur a versé, c'est pour ton rachat. Non seulement pour toi, mais aussi... La Bible dit, les souffrants des temps présents pourront être comparés à la gloire de Dieu qui sera donc manifestée pour eux. Car la terre entière attend la manifestation des fils de Dieu. Vous savez pour quelle raison? Regardez très bien, nous allons lire effectivement aussi dans Romains chapitre 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Avec vous, regardez bien. Verset donc 18, voilà. Lisons le verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La révélation donc, hein? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, donc la création tout entière. Donc, vous voyez que même quand on, je ne vais pas rentrer dedans, je vais revenir ici, parce que beaucoup de gens. Regardez, quand on parle effectivement de cet ange effectivement qui pose son pied sur la terre et sur la mer, et qui lève la main au ciel, et qui jure par celui qui vit éternellement. Il faut que nous comprenions effectivement qu'est-ce que cela veut dire. Nous ne sommes pas rentrés là-dedans effectivement aussi, mais c'est pour que nous comprenions qu'effectivement que notre Seigneur est notre Dieu. Il n'a pas fait un travail à moitié. Alors, chaque être humain sur la terre, Dieu, comme nous le lisons dans les Saintes Écritures, nous vivons dans un temps de la grâce. Et ce que la Bible clarifie en disant le temps favorable. C'est vraiment la grâce de Dieu. L'homme était incapable de pouvoir accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais il y a eu un homme qui est venu, qui est mort pour tous les hommes. Donc, que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui que je suis comme ça à cause d'Adam. Non. Parce que les problèmes d'Adam ont été solutionnés. Donc, on ne peut pas prendre raison que parce qu'Adam a fait, parce qu'Adam... Non.
Parce que le dernier Adam est venu. Donc il t'a racheté de cette action-là, mon frère. Donc il a racheté aussi la terre, oui, tout. Donc aucun homme ne peut avoir d'excuse aujourd'hui. Il dit, ah, je ne pouvais pas parce que, voilà, les grands-parents m'ont mis dans la sorcellerie et mon juge lié. Mais Dieu a dit, a donné une voix. Ah oui, ah oui, ah oui. Il dit, c'est lui qui croira. Amen. Croira qui paiera ses sacrifices. Donc, personne sur la terre ne peut dire qu'il est ignorant. Parce que Dieu ne fait pas des choses en cachette. Parce que les sacrifices, effectivement, qui a été offert et accompli, effectivement, c'était devant tout le monde. Il était élevé devant tout le monde, tout le monde. Et au-dessus, là-bas, tout le monde. Pour voir que là, il y a un homme. Et cet homme, c'est qui? Mais c'est Jésus. Qui était-il? Mais un innocent. Les témoignages sont rendus dans le monde entier. Tout le monde le sait. Donc, tu ne peux pas être ignorant. Donc, sur la terre. Donc, Dieu est juste. On a entendu, effectivement, il viendra. Écoutez bien, hein? Il jugera le monde avec justice. Donc, ce n'est pas comme nos justes aujourd'hui qui sont injustes. Il te voit, toi, il voit la couleur, il dit, il prend des choses comme ça. C'est vrai, ça. Il voit peut-être, il connaît peut-être son ami, effectivement, il prend des choses. Mais pas Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. C'est pour ça qu'il te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les hommes de la terre, bien sûr que oui. Même s'il y a des faux prédicateurs, même s'il y a des fausses doctrines, effectivement, des faux enseignements, mais Dieu en verra toujours. Vous savez ce qu'il a dit, effectivement, pour que vous le compreniez? Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne nouvelle qui vient des hommes. Non. Ni de l'église, effectivement, ni des hommes venus de cette tradition. Non, 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 non. Il dit, mais il sera donc prêché dans le monde entier. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il n'y a pas d'excuse. Pour dire que non, nous connaissons seulement les prêtres avec la communion, l'hostie. Non, monsieur. La bonne nouvelle te sera aussi prêchée d'une manière ou d'une autre, effectivement, pour les pauvres. Bien sûr que non. Oui, c'est vrai. Il a dit ceci, effectivement, de cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Alors seulement viendra. Pas avant. Donc tous vos parents, vos grands-parents, vos aînés, pour lesquels vous priez, effectivement, Dieu entend. Amen. Ah oui, ils ne vont pas mourir comme ça sans que quelqu'un passe. Parce que n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu pries Dieu de tout ton cœur, sois sûr et certain que Dieu entend ta prière. Amen. Il ne faut pas douter. Autrement, pourquoi te mets à genoux alors? Si tu n'es pas sûr que Dieu t'écoute, pourquoi te mets à genoux? Seigneur, je ne suis pas juste, je ne sais pas si Dieu peut m'écouter, mais en fait, il a donné quelqu'un de juste à ta place. Il t'a dit, celui-là dit, mais tout ce que vous demanderez à mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc je ne viens pas en mon nom. Donc je viens en son nom. Parce que lui, il a accompli pour moi. Alors quand j'ai pris, je ne dis pas au nom de Simon. Non. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai dit au nom de Jésus. Donc entends ma prière. Alors Jésus, notre esprit, bien sûr, monsieur. Alors Dieu entend ta prière. Parce que tu as prononcé, c'est en son nom. J'ai parlé, mais j'ai dit ça en son nom. Et lui, il intercède aussi pour moi. Oui, Dieu est juste, mon frère. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, il faut que vous soyez forts. Ne tremblez pas quand vous priez, priez avec assurance. Parce que ce n'est pas vous, mais c'est en son nom. Et comme lui, il a tout vaincu, Dieu l'a agréé. Alors quand j'ai prié en son nom, Dieu entendra. C'est important, mon frère et ma soeur. Nous avons un trésor que nous n'arrivons pas à pouvoir réaliser et comprendre que nous l'avons. On pense que Dieu ne nous entend pas. Non, nous ne sommes pas des païens. Non, Dieu nous entend. Parce que nous avons accepté le sacrifice. Nous nous sommes identifiés au sacrifice. Par les baptêmes, sa mort avec lui. Alléluia. Nous avons été identifiés en lui. Par les baptêmes, en son nom. Et nous disons, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit donc en moi. Alors quand je m'adresse à ce Dieu, effectivement,
Je m'adresse avec assurance en pensant à ce qui s'est passé à Golgotha. Seigneur, tu as dit tout est accompli. Tu es venu pour ôter toutes mes faiblesses. Tu me connaissais, mes infirmités. Je n'étais pas capable, mais toi tu m'as rendu capable. Tu as effacé la désordonnance nous condamnait. Tu l'as déchiré à la croix. Et tu m'as rendu aussi libre. Donc quand nous nous approchons de lui, nous devons croire. Et quand nous... C'est pour ça qu'il dit, mais dans, je crois que c'est dans Marc 18 ou Luc 18 quelque part. Enfin, je pense que c'est Luc 18 quelque chose comme ça. Dit, mais, et là, c'est quand même quelque chose. D'abord, nous devons les lire, en fait, nous vous coupons ici. Je pense que c'est cela, je suppose que c'est cela. Ou cela, oui. Voilà. Et j'aime beaucoup cela quand je lis cela. Luc 18, verset 1, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ah, mon frère, ma soeur, quand j'ai entendu cela, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, ça c'est le secret. Ah oui, ah oui. Maintenant, je comprends que quand j'ai un problème, Seigneur, je dois toujours prier jusqu'à ce que... Parce que parfois on prie et puis on court pour autre chose. Non, ça c'est ce qui me préoccupe. Alors je m'accroche à cela. Je prie, ne point se relâcher. Parce que le diable, il va toujours te faire passer par des choses qui... Encore des choses, à gauche, comme ça. Mais toi, tu restes toujours ferme dans ce que toi tu demandes à Dieu. Parce qu'il dit ceci, vous connaissez ce qu'il y avait fait. Il y avait dans la ville, effectivement, vous connaissez cela, non? Bon, j'aimerais quand même les lire un peu jusqu'à la fin. Hein? Alors il dit... il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait point égard pour personne. C'est une parabole, hein. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, crois que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard à personne, pas d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. C'est-à-dire qu'elle venait tout le temps. Ah oui, le matin, elle vient. Et pour moi, l'après-midi, elle vient. Et le soir, elle vient. Et le lendemain aussi, elle revient. Frères et sœurs, vous savez, que Dieu nous aide. Comme ma sœur Trifouni me rappelait encore, et je crois que c'est elle, effectivement, qui m'en a rappelé aussi, je pense que c'est cela. Et nous avons dit cette année-ci que les genoux reprennent du service. Vous vous souvenez? Il faut que nos genoux reprennent du service. Et quand nous revenons au service, c'est-à-dire que Dieu, nous devons en tout temps. Vous savez, frères et sœurs, j'aime... Tous ceux qui aiment tellement Dieu et qui l'ont aimé, frère, ils ont eu la victoire. Et vous savez comment? À genoux. Vous vous souvenez de Daniel? Daniel. Quand on a pris la décision, dire que plus personne ne peut prier, effectivement, si ce n'est que prier les dieux, effectivement, qu'on a installés, vous connaissez, donc tout cela, effectivement, mais la Bible nous fait savoir que, comme à la coutume, donc c'est-à-dire que comme il priait régulièrement, c'est-à-dire que ce n'était pas que ce jour-là, il dit, bon, je vais faire plus pour qu'on me voie, non, il priait régulièrement à des heures bien précises, il avait ses heures, oui, bien sûr, parce que tout le monde le voyait, il a ouvert la fenêtre comme d'habitude, il priait son Dieu. Donc tous ces hommes-là, quand on peut voir dans les Saintes Écritures, ils avaient toujours une consécration à Dieu dans la vie de la prière. Parce que sans la prière, mon frère, vous savez, c'est comme ça que le Seigneur nous a même dit, effectivement, c'est de cette manière-là qu'on va échapper aussi à la tentation, à beaucoup de choses. Pourquoi vous n'avez pas, quand par exemple la parole de Dieu vous est donnée, effectivement, et sœur, habillez-vous comme ça, abandonnez tous ces crimes, vous n'arrivez pas à pouvoir les abandonner. Pour quelle raison? Parce que c'est manque de prière, manque de foi. Mais imaginez, ma sœur, que vous vous mettez à genoux, dites-moi, Seigneur, j'ai quand même des résistances au-dedans de moi. Quand j'entends, par exemple, la prière qui me dit, et c'est ci, et c'est cela. Parce que quand on cite, par exemple, on dit, par exemple, des exemples, voilà, frère, sœur, effectivement, c'est parce que les diables, c'est les personnes qui doivent arriver à pouvoir cibler facilement. Oui. Mais comme Dieu vous aime aussi, et Dieu vous parle de manière à ce que vous compreniez que la position que vous tenez et la manière que vous faites effectivement les choses, c'est que la façon, cette fois-là, le diable a la facilité de pouvoir vraiment vous, vous,
de tourner davantage et plus profondément encore pour que vous puissiez plus savoir comment revenir. Et alors, remarquez que lorsque on est sincère envers Dieu, on dit, Seigneur, c'est vrai que cette chose ne veut pas me quitter. Pour déjà que tu arrives à ce point-là, alors là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de Dieu en toi. Mais c'est Dieu qui, pardon, c'est lui qui dit, mais je n'en ai rien à faire. De toute façon, souvent les prêtres comprennent, et c'est si, c'est ça qui était dangereux. On dit, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'extérieur. C'est ce qu'on entend souvent à l'église dénominationnelle. Hein. Seulement, il regarde au cœur, il ne regarde pas à l'extérieur. Mais vous savez, mon frère et ma soeur, un cochon. Vous comprenez? Un cochon. Si un cochon, son cœur n'a pas changé, si vous comprenez? Vous pouvez l'habiller, par exemple. Mettre ce qui est nécessaire pour que soit un homme. Vous verrez qu'effectivement que ce cochon, il va toujours tourner, retourner aux choses qui sont sales. Et vous pouvez le laver comme vous voulez. Mais il va retourner là-bas. Pour quelle raison? Parce que son cœur est comme ça. Et quand son cœur est changé, il a maintenant un cœur d'homme. Vous pouvez l'habiller, vous pouvez le laver, il ne retournera jamais dans la porcherie. Parce que c'est là. Ça veut dire que maintenant que si maintenant ton extérieur est contraire à ce que Dieu dit, et que tu dis seulement que Dieu regarde au cœur et tu es convaincu que Dieu est avec ton cœur, mais ton extérieur à toi ne suit pas ce que Dieu dit, alors il faut te poser la question. Ces prétextes-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle, c'est la religion, en fait, qui donne en fait cette manière de pouvoir voir. Parce qu'il faut qu'il trouve quelque chose pour justifier, oui, pour justifier leur état. Alors, quand tu es un fils de Dieu, vous savez, j'ai donné un exemple ici, à un temps de cela. J'ai dit, un faux ne pourra jamais reconnaître qu'il est dans le faux. Vous me suivez? Seulement un vrai qui est dans le faux, il pourra reconnaître qu'il était dans le faux. Maintenant, si toi maintenant, tu reconnais que Seigneur, j'ai quelque chose qui m'attache ici, que je sais que ce n'est pas bon, parce que quand j'entends ta parole, je réalise que moi je me regarde, que ce n'est pas conforme, je n'ai pas la force de l'abandonner. Alors là, il y a quelque chose de Dieu en toi. Déjà, le fait de reconnaître cela, ça montre qu'au-dedans de toi, cette chose-là n'a pas sa place. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, je suis sincère maintenant. J'ai besoin de toi. Alors détache-moi de cela. Mon frère et ma soeur, quand vous tenez à cette position-là, il n'y aura plus jamais de problème. On ne va pas te suivre, frère, fais ceci. Non, non, non. Toi-même, déjà, tu as dit, Seigneur, ça. Et quand tu pries Dieu de tout ton cœur, ce sera complètement terminé. Mais c'est quand vous prenez des explications, des excuses pour vous-même, c'est parce que votre intérieur aime la chose. Mais quand l'intérieur n'aime pas, mais qu'on a été forcé parce que l'esclavage s'est imposé à nous, alors là, on dit non, c'est pas possible. Seigneur, non, ça ne peut pas. Je n'ai pas la force, je suis inconscient à cela, mais mon Dieu, j'ai besoin de la délivrance. C'est pour ça que la délivrance est là. Amen. Oui, monsieur. Parce que le diable, effectivement, maintient les enfants de Dieu dans l'esclavage. Il ne veut pas le faire, l'enfant ne veut pas le faire, mais il est forcé. Pourquoi? Parce que l'esprit est là. Et puis là, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est pour ça qu'on prie, effectivement, pour que ces démons qui a eu un droit pour le maintenir l'esclavage, parce qu'il dit, je n'en veux pas. C'est pour ça que vous entendez, effectivement, frères et sœurs, qui dit, ô homme, frère, qu'est-ce qu'on dit, mais répentez-vous. C'est-à-dire, refusez toutes ces choses-là qu'on veut te donner, que tu aies à pouvoir accepter sans le vouloir, mais qu'on t'a imposé.
Mais maintenant que tu as entendu, effectivement, tu as compris que ce n'était pas ta nature. Amen. Moi, je ne peux pas l'enlever à ta place. Non. Mais d'abord, pour que je l'aie, effectivement, il faut que toi, tu le refuses. Amen. Comment je peux chasser les démons du vol si toi, tu aimes voler? Je peux prier pour toi et tout ça, et tu vas repartir, tu seras toujours voleur. Parce que tu n'as pas dit en toi-même, je ne veux pas voler. On a posé la question, effectivement, à Bartimée, parce que Dieu ne va pas te guérir comme ça poser. Non, non, mais si, il faut que tu le railles. On dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça doit venir aussi. Donc tu dois toi-même dire, en tout cas, Seigneur, je n'en peux plus de ceci. Je vais la délivrer, je vais la délivrer. Quand ça vient, frères et sœurs, c'est comme ça que vous avez la victoire. Quand ça vient du fin fond de ton cœur à toi, cela veut dire que la délivrance est proche. Et quand tu avances et compris pour toi, tu rentres chez toi à la maison, c'est terminé. Parce que tu as dit déjà à Satan, maintenant c'est terminé, bye bye, je n'en veux plus. Ah oui, dans les fonds de mon âme, je n'en veux plus. Je n'ai pas la force, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, en mon nom, ils chasseront donc les démons. Amen. Alors, nous pouvons prier pour vous. Parce que tu ne donnes pas la main. Là, nous prions, nous lisons la Bible. Il est ici. Alors, il dit, mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, verset 5, je me suis arrêté. Je lui ferai donc justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête tout le temps. Parce que quand tu viens, et Seigneur, on est là, quand tu pries, tu penses que le Seigneur ne t'entend pas. Il entend. Amen. Ah, il entend. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit encore plus bas. Le Seigneur ajouta. Donc, il dit, après la parole, il ajouta. Entendez-vous ce que dit le juste inique? Et Dieu, maintenant, il revient à Dieu. Maintenant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Mon frère et ma soeur, tu as le droit. Quand tu pries Dieu, tu as le droit. C'est ton droit pour parler à ton Père, parler à ton Dieu. Il doit entendre, effectivement. Il est là pour ça, pour toi. Maintenant, il faut que nous nous approchions de lui de la bonne manière. Regardez, je vais lire rapidement aussi cela. Je termine d'abord aussi, mais je relis cette écriture dans le livre de Chroniques. Il est très bien. Il dit ici, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et puis il dit, et tardera-t-il à leur égard? Donc jour et nuit, il crie à lui. Ton problème, ta situation, Seigneur, j'ai besoin, comme j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de voir, bah, Seigneur, pourquoi nous désirons le Saint-Esprit? Mais c'est parce que, Seigneur, je vois que je suis incapable. Je vous l'ai toujours dit ici, frères et sœurs, s'il y a une chose que Dieu désire vraiment donner à ses enfants, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment, quand je dis cela, ce n'est pas pour dire, mais c'est la vérité. C'est aussi la chose qu'il peut vous donner aussi facilement. La Bible dit, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui... Mais si tu es désobéissant, parce qu'il faut que quand même que les choses soient mises aussi à leur place. Si tu es donc de... Ah, mes frères, comment je peux arriver? Mais regardez très bien. Lorsque nous marchons avec Dieu de la manière que Dieu veut, qu'est-ce qu'il nous dit, effectivement? Eh bien, nous sommes justifiés par la foi. En fait, tu n'as rien fait pour être justifié. Il n'y a pas de choses qui disent, bon, j'ai apporté ça à Dieu. Non, lui-même... Et en te donnant cette grâce de pouvoir croire. C'est simplement l'effet de pouvoir. Parce que justifié, qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as fait? Combien de choses tu as apporté? Tu n'as rien apporté. C'est simplement tu crois. C'est l'effet simplement de dire, je crois de tout mon cœur, je t'accepte comme... Parce que tu réalises effectivement le besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas grand-chose que tu as fait. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis il n'y a pas grand chose que tu as fait. C'est-à-dire que tu n'es pas venu avec des sacrifices pour pouvoir, tu n'as pas venu avec beaucoup de choses. Je dis, tu n'as pas chanté beaucoup de cantiques, tu n'as pas beaucoup gêné pour pouvoir prier pour être justifié. Est-ce que vous comprenez? Non.
On n'a pas dit nous sommes édifiés par les prières, nous sommes édifiés par les cantiques, nous sommes édifiés par les jeûnes et prières. Est-ce que vous me comprenez? Non, nous sommes édifiés par la foi en Jésus-Christ notre. Donc quand tu crois à lui, donc, c'est tellement si simple. Mais ce qui est simple est toujours difficile. Regardez, vous me donnez un peu de temps, non? Je vais parler long, je vais trouver pour notre bien. Regardez, la chose la plus glorieuse qu'un être humain sur cette terre, tout être humain, peut vraiment désirer. Et cette chose-là, qu'il trouve vraiment que c'est quand même assez difficile, mais Dieu leur donne et donne aux hommes, effectivement, d'une manière gratuite. C'est que c'est gratuitement. C'est quoi en fait? C'est la vie éternelle. C'est un don qui est. C'est écrit par Romain. C'est gratuit, mon frère. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Tu n'as rien payé. C'est gratuit. Donc, maintenant, ce don-là qui est gratuit, pour tout le monde qui le veut, il peut l'avoir. Mais pour pouvoir vouloir le prendre, c'est là que c'est difficile pour les hommes. Mais regardez. Là où on dit, il faut payer ceci, il faut faire des neuvaines, de ceci et de cela pour pouvoir avoir, il y a des hommes qui vont là-bas. Vous regardez très bien dans les religions. Les hommes, quand je regarde par exemple des églises, et c'est vrai, j'ai dit Seigneur Jésus, c'est là où les gens sont durs, sont méchants, sont fait ceci, que beaucoup de monde va là-bas. Mais c'est vrai, frère. C'est vrai, vous ne pouvez pas le pas croire, mais c'est la vérité. Là où on existe, on oblige effectivement, c'est là où les gens y vont. Mais là où Dieu dit simplement que c'est ceci, par la grâce, par la foi, par la parole, les hommes ne peuvent pas résister. Parce que c'est là le secret, mon frère et ma soeur. Oui. L'homme veut faire quelque chose parce qu'il veut dire, je l'ai fait, parce que je dois mériter que je l'ai fait. Mais Dieu dit, mais je n'ai pas besoin de ce que toi tu fais. C'est là l'incompréhension, en fait. Il dit, c'est pas possible, parce que je suis toujours habitué à ce monde où nous sommes, que pour avoir quelque chose, il faut payer un prix. Il faut quand même acheter, je dois donner. Mais il dit, venez à moi, sans argent, ni or, ni argent. Et puis il dit, venez à moi, acheter, sans argent. Mais il a déjà payé pour toi. Et ça, la compassion de l'être humain, c'est pas possible. Bah, bref, nous revenons. Regardez bien. Alors, il dit, c'est pour que vous compreniez un tout petit peu. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas suite à celui qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à le regard? Verset 8, il dit, mais je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Il leur fera. Bien sûr que le Seigneur vous accordera. Quand vous priez, quand vous vous adressez au Seigneur de tout votre cœur, et cela, la chose que, il faut être sûr et certain que le Seigneur entend et il écoute réellement ta voix. Mais il faut dans la condition. Regardez cet homme, Ézéchias. Je lis simplement ça dans le bas. Je lis le morceau, effectivement, que nous allons prier, nous allons partir. Dans 2 Chroniques au chapitre 31, 32, je pense que c'est là aussi. Quoi. 2 Chroniques avec Ézéchias. Regardez très bien. Voilà. 2 Chroniques. Il nous dit, si vous avez le temps, je veux que vous voulez lire ça à la maison, prenez comme lecture, effectivement. Voyez, pour voir, effectivement, comment cet homme, Ézéchias, lorsqu'il devint roi, dans son cœur, comment il a eu à pouvoir avoir ce désir profond de rechercher Dieu de tout son cœur et de mettre de l'ordre dans sa vie, mettre de l'ordre pour les choses qui concernent Dieu, dans la maison de Dieu lui-même. Prenez le temps de lire ça chez vous à la maison demain, chapitre 30, 31, et je vais lire maintenant le verset un peu plus bas, effectivement aussi, puis 32, puis nous allons prier ensemble. Il lit, verset 30, chapitre 31, verset 20, vous aurez lu ça chez vous à la maison. Il dit, voilà, chapitre 31, verset 20, il dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu.
Mais il faut que vous lisez, que vous voyez effectivement ce qu'il a fait. Cet homme ici a eu à pouvoir chasser par la face de Dieu. Il a convoqué tout le peuple, effectivement, parce qu'ils avaient fait, non, pas fait, pas célébrer la Pâque, effectivement, depuis qu'ils avaient dit oui, mais cet homme, ils ont eu à avoir célébré. Mais il a fait des choses tellement extraordinaires. J'ai pas beaucoup de temps pour cela, mais lisez-le. Donc, on dit qu'il a fait ce qui est, écoutez bien, hein, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Donc, il s'y est consacré à Dieu. Verset 21, il nous dit, il agit de tout son cœur. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Dieu ne peut pas dédaigner ta prière. Parce que c'est les moyens par lesquels Dieu t'a donné pour pouvoir parler, pour lui parler. Il ne peut pas arriver à pouvoir ne pas te donner ce que tu lui demandes. Mais il faut savoir comment s'approcher de ces dieux et comment lui parler effectivement pour avoir la victoire. Parce que nous avons toujours un adversaire qu'il ne faut jamais oublier. J'ai toujours dit, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toujours le diable. Il va toujours faire tout son possible pour te faire en sorte que tu puisses t'éloigner, t'écarter d'une manière ou d'une autre des choses que Dieu t'a prescrites, effectivement, pour que Dieu ne puisse pas entendre. Parce qu'il dit, mais ce sont pas, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. C'est ça. Donc, vous comprenez, vous connaissez, non? Jérémie 31. Alors, il dit, il agit donc de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Nous l'avons lu, je pense, mardi ou l'autre jour, effectivement. Hein, il nous a dit, effectivement, que tout ce qu'il fait, donc, heureux, donc, chapitre, psaume, chapitre 1, il est comme un arbre planté près de courants d'eau. C'est la vérité, hein, dont le feuillage ne s'efflétrit point. Quand les autres sèchent, effectivement, lui, non, parce que ses racines sont enfoncées et il baigne dans l'eau, effectivement. Et on nous dit aussi que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et toi aussi, tout ce que toi, tu dois arriver à pouvoir faire, doit te réussir. Il y aura des épreuves, mais comme nous l'avons entendu, ça c'est le secret. Donc comme cette veuve-là, elle persévérait, insistant effectivement, parce que ce que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir avoir, je veux l'avoir. Il y aura des combats, des découragements, mais je dois persévérer. Mais ne lui donne pas, Seigneur, mais tu peux, non, 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 mais il y a toujours confiance. Persévérance dans cela, Dieu me donnera. Alors il dit, il réussit dans ce qu'il entreprit, il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu, pour les services de la maison de Dieu, pour la loi, et pour le commandement. Maintenant, la suite, c'est le verset, chapitre 31 maintenant, chapitre 32, le verset suivant dit, après ces choses, écoutez très bien, quand il a fait tout cela, il a mis sur Dieu, il s'est occupé des choses de Dieu, effectivement. Parce que quand vous vous occupez des choses de Dieu, n'oubliez pas que l'ennemi est toujours là à côté. Il est tellement jaloux parce qu'il ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas que tu puisses réaliser que la parole de Dieu, elle est vraie. C'est pour ça qu'il vient toujours avec les doutes. Oh, mais Dieu ne t'entend pas. Non, Dieu m'entend. Il faut chasser les doutes, mon frère. Parce que c'est par la foi, dit, mais Dieu m'entend. Parce qu'il est là toujours. Parce qu'il ne veut pas que ta prière t'en soit exaucée pour que tu aies confiance en Dieu, en fait. Parce que si cela est arrivé, que tu es exaucé, tu auras encore plus confiance en Dieu et il n'aura jamais de territoire chez toi. Alors il est toujours là pour te mettre des doutes, effectivement. Mais toi, persévère. Donc Ézéchias a tout fait, effectivement. Il a mis tout en ordre. Vous liserez, cherchez-vous, effectivement. Donc, il est tout son guide, mais en tient son Dieu, effectivement. Et puis maintenant. Regardez bien, donc le verset suivant, donc chapitre 32, verset 1, il dit, après ces choses, vous êtes bien, et ces actes de fidélité dont la Bible nous fait comprendre, que ce qu'il a fait de tout son cœur, il était fidèle avec fidélité, il l'a fait. Donc quand il faisait pour Dieu, il disait, pardon, j'attends la récompense, non, parce qu'il trouvait que c'était bon, c'était juste pour que Dieu soit honoré, glorifié dans son pays, dans son territoire, parmi son peuple, parce qu'il était le roi. Et cela venait dire, après ces choses et ces actes de fidélité, Parut Sanquérib, effectivement, roi de Syrie, qui pénétra en Judan et assisa les villes fortes, effectivement, dans l'intention de s'en emparer. Donc, quand toi, mon frère et ma soeur, tu as vraiment mis ta vie vraiment en ordre, tu dis, Seigneur, je reviens à toi. Je m'accroche à tout mon cœur. Je mets tout en ordre, effectivement, Seigneur, je cherche ta face. N'oublie pas que le diable est à côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas trembler, mon frère. Quand toi, tu as mis toujours en ordre, effectivement, les combats viennent, ne tremble pas. Parce que souvenez-vous, frère, je n'ai pas le temps maintenant. Quand Ézéchias est tombé malade, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi.
de tout ce que j'ai fait. Oui, monsieur. Oui, madame. Quand vous faites quelque chose pour Dieu et que vous revenez et que vous voulez vivre une vie tellement pieuse et droite, n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, les combats vous attendent. C'est la Bible qui l'a dit aussi. Hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et mais c'est pour ça, quand la chose la plus importante pour toi, c'est de pouvoir être déjà sûr que tu as une communion avec ton Dieu. Que tout le temps, tu mets ta vie toujours en ordre avec lui. Et comme nous l'avons aussi entendu, effectivement aussi, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Voilà. Donc si toi, cela est ainsi, alors. Et voilà que parut donc à ce moment-là, pendant qu'il mettait tournant, il a fallu revenir à Dieu avec tout son peuple, effectivement. Ils ont célébré. La manière dont ils ont célébré, mais même du temps de Salomon. Hein, et le roi David, il n'a pas eu des célébrations comme ça. Lisez-le. Hein, pour dire que vraiment, ils étaient tellement retournés à Dieu. Cet homme, j'ai la foi de Dieu, effectivement, qu'il a ramené le peuple à Dieu. Et voilà maintenant, Sanchérib, là, il se lève maintenant, il dit, je vais maintenant attaquer maintenant. Pour détruire effectivement qui ça Israël avec son roi Ézéchias effectivement aussi. Et vous pouvez lire effectivement, je saute de verset pour que le temps est un peu plus avancé. Nous arrivons au verset 5. Non, nous allons faire verset 6 quand même. Verset 6 nous dit, lorsque Sanchérib est venu, il a commencé à insulter. Il a dit des paroles, c'est quand même, vous le lirez plus tard après. Et là, au verset 6, Ézéchias donc donna donc des chefs militaires et au peuple, et il réunit auprès de lui sur la place de la porte, effectivement, de la ville, et s'adressa à leur cœur et il dit, vous entendez, non? Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est donc avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Donc il était sûr et certain. Parce qu'après avoir fait tout ce qu'il a fait, pour Dieu, mon frère, c'est pour ça que toi et moi, nous avons besoin de nous accrocher davantage à Dieu, de mettre nos vies d'abord conformément à la volonté de Dieu. Frère, n'oubliez pas, c'est pour notre bien. Ainsi, quand un souci vient, quand un problème vient, quand il vient effectivement, lorsque nous nous mettrons à genoux, Dieu entendra. Et nous nous mettrons à genoux avec assurance. Je saute. Regardez ce petit bonhomme David. S'il n'était jamais consacré à Dieu, s'il n'avait jamais confiance en Dieu, s'il n'avait jamais fait son avec Dieu, s'il ne connaissait pas Dieu, effectivement, pouvez-vous penser qu'il devait se mettre debout devant un géant comme ça, et les narguer comme ça? Il savait où c'était né. Il savait que c'est Dieu-là lui a témoigné qu'il était à lui. Et c'est qu'il était aussi conscient. Il n'est pas parti comme ça à l'aventure. Dieu est avec moi. Non, monsieur, Dieu est avec lui si vous êtes avec lui. Donc avec vous si vous êtes avec lui. Donc il faut que vous soyez un souci, comprenez qu'effectivement qu'il est important que ma vie à moi soit consacrée à Dieu. Le problème viendra. Quand les problèmes viendra, je sais où je me suis appuyé. Oui, c'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur. Il se tient et dit, mais en fait, il dit, il était très bien, il continue encore, il dit, mais car devant, ne craignez pas devant toute l'amitié, mais devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Verset 8, il dit, avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, qui fait quoi? Qui nous aidera? Et qui combattra aussi pour nous. Et c'est cela. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, que lui, l'Éternel, véritablement, il a combattu. Parce que si nous prenons effectivement aussi dans les Saintes Écritures, parce que vous pouvez les lire effectivement aussi, je vois à la maison, vous remarquez, parce que là, je vais passer effectivement ce que Sanchérib a fait, mais vous remarquez effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a combattu pour eux, et il a envoyé l'ange de l'Éternel, effectivement, qui a terrassé effectivement aussi, qui a eu à pouvoir effectivement aussi détruire effectivement dans les corps de l'ennemi, l'adversaire, parce que
Le peuple d'Israël a eu à pouvoir mettre toutes choses en ordre avec Dieu. Les sacrificateurs ont établi dans leur ordre, effectivement, à leur place. Et ceci et cela, chacun se trouvait à sa place. Que Dieu nous aide aussi, que nous soyons aussi ordonnés dans les choses de Dieu. Que chacun de nous, effectivement, puisse être aussi à sa juste place. Comme ça, quand nous prions ensemble, nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Avec nos frères, avec nos sœurs. Et quand on amène des cas de prière, effectivement, ici, nous prions avec assurance. Pas comme nous prions, ben, nous espérons que Dieu va entendre. Non, nous prions, Seigneur, nous sommes sûrs et certains que tu nous entends. Et quand toi-même aussi, ma sœur, toi-même aussi, mon frère aussi, que tu as un problème, examine-toi d'abord. Parce que Dieu, notre Seigneur, exauce les prières. Il aime exaucer les prières. Et quand Dieu te reprend pour une situation dans laquelle tu te trouves, effectivement, ne te justifie pas. Reconnais seulement la chose et mets ta vie en ordre. Je termine par cela. Donc si toi tu reconnais que quelque chose s'attache en moi qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, mais je n'ai pas la force de pouvoir m'en détacher, Seigneur, viens-moi en aide, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans de toi. Mais si chaque fois que la parole est prêchée, tu résistes, c'est vrai, on t'appellera notre frère, notre soeur, mais tu as un esprit religieux. Et les esprits religieux ne sont pas de Dieu. Et ces esprits religieux, ce sont ces esprits-là qui combattent toujours la parole de Dieu. Ce sont ces esprits-là qui, quand on vous dit, je donne un exemple, femme ne portait pas de pantalon, tu vas voir ce qui s'appelle soeur, il te met un pantalon les jours suivants. Il s'assiera avec un regard effronté. Il n'en a rien à faire, en fait. Parce que pour lui, son cœur, Dieu voit son cœur. Mais comme nous avons parlé de cochon, on reconnaîtra qui vous êtes par les œuvres que vous manifestez. Alors, ne donnons rien à Satan. Amen. Ne lui donnons absolument rien. Même si tout ce qu'il nous montre est tellement joli à nos yeux, derrière, c'est la mort. Acceptons effectivement le Seigneur avec la souffrance et l'opprobre que cela peut m'apporter dans ma propre vie, d'être insulté, d'être considéré comme rien du tout. J'accepte. Je vais marcher avec lui. Souvenez-vous de Moïse. Qu'est-ce qu'il était? Il ne pouvait devenir roi. Mais il regardait ces gens-là qui étaient dans le bourbier. Il dit non, ça c'est une richesse. Il faut être de Dieu pour arriver à pouvoir apprécier propre, c'est que les hommes ne peuvent pas accepter. Mais toi, tu as accepté ça parce que Dieu est ton Dieu à toi et ta vie à toi, c'est conforme à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, ce soir encore, nous approchons de ton trône de grâce pour te dire encore merci. Nous voyons combien tu nous aimes, mon bénémoine mes Père Saint-Dieu. Et c'est vrai que l'heure est tellement avancée, mon Sauveur béni. S'il y a un temps où vraiment il y a une pression qui se fait encore davantage aujourd'hui et la grande confusion qui s'élève encore à gauche et à droite, c'est vraiment ce temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est aussi un temps où nous avons vraiment besoin de toi, mon Sauveur, de pouvoir réellement être secouru. Et nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu qui entend nos prières. Oh Dieu, comme Ézéchias a pu mettre sa vie en ordre, Père Saint-Dieu, cet homme t'a cherché de tout son cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il savait. Et là, l'ennemi s'est vraiment élevé contre lui, Père Tubissant. Il venait pour il va pouvoir détruire Père Tubissant. Et bien même passer par les insultes, bien Père Saint-Dieu, et décourager même le peuple en disant des paroles qui ont été tellement si fortes pour les décourager. Seigneur Jésus, mais Ézéchias s'est appuyé donc sur toi. Parce qu'il savait que tu es le Dieu en qui il s'est appuyé, Seigneur. S'il ne t'avait pas, il n'aurait jamais pu avoir le courage de le faire. Quand on peut voir des gens comme d'Akab et tout cela, Seigneur, c'est Akab était des gens qui avaient l'esprit religieux. Or, tout ce qui concernait Dieu, ce n'était pas les choses qui les préoccupaient, bénémoine Père Saint-Dieu. Mais voilà l'homme qui était. Ézéchias était un homme qui était cherché, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons t'implorer la grâce aussi, Père Saint-Dieu. Tu nous as dit aussi, Père, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous laisserai donc trouver donc par vous. Pardonne-nous encore, mon Sauveur. Aide-nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu.
de pouvoir également aussi, oh Dieu, nous accrocher davantage à toi, afin que, Seigneur, tu puisses aussi nous aider dans toutes nos difficultés, Père Saint. Nous en avons besoin, Père. Apprends-nous à pouvoir te prier, Seigneur Jésus. À chercher aussi ta face, mon bénévole, Père Saint, Dieu, parce que ces jours, comme Ézéchiel vous l'a dit, Père Tibissant, ces jours d'angoisse, mon bénévole, Père Tibissant, Dieu, les enfants sont là, on n'a pas la force pour enfanter, bénévole, Père Saint, Dieu, mais tu es le Dieu qui lui a envoyé des secours, mon roi. Sois donc béni, mon bénévole, Père Saint, Dieu. Oh! C'est toi qui lui as dit que, qu'as-tu fait, qui t'a insulté pour qu'on te dise, Père Tubissant, tu as pris position pour cet homme. Je te remercie encore, mon sauveur. Aide-nous encore davantage, mon roi. Nous sommes ton peuple à toi, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Nous acceptons l'opprobre, mon bénévole, Père Tubissant, que les hommes à l'extérieur et partout où ils sont, nous regardent, Père Tubissant, ils pensent seulement du mal de nous, Père Saint-Dieu. Mais nous persévérons davantage, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Nous voulons rester, Père Tubissant, dans la voie que toi tu nous as placée, Seigneur. Revenons à ta parole à toi, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Bénis mon frère, bénis aussi ma soeur, mon roi. Prépare toujours nos cœurs, bénévole, Père Saint-Dieu, parce que nous voulons que nos lendemains soient toujours meilleurs, mon roi. Demain, ils iront au travail. Demain, les enfants iront à l'école, Père Saint-Dieu. Seigneur, que l'influence du monde ne soit pas sur eux, mon bénévole, Père Tibissant, qui prennent toujours position pour ta parole à toi, Seigneur. Aide nos enfants pour lesquels nous prions, bénévole, Père Tibissant, Dieu. Nos frères et sœurs au travail, Père Tibissant, Dieu. Oh, à l'école, bénévole, Père Tibissant. À l'université, partout, bénévole, Père, pour étudier. Seigneur, souviens-toi de nos enfants, Seigneur, qu'ils soient toujours la tête et non jamais la queue, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais, Seigneur. Nous accrochons à toi. Nous te remercions pour ce soir. Nous te rendons gloire et honneur pour ta bonté et ton amour. Merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous rende toujours victorieux. La victoire nous appartient. Que Dieu te bénisse. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui, ou à l'agneau, gloire. Gloire, puissance à